Salut, salut, ici Rich Ladios pour un nouvel épisode de Total War Attila, Attila avec les Vandales. J'espère que vous allez bien, moi ça va super en ce beau dimanche et on va continuer où on s'est arrêté, c'est-à-dire une grande bataille qu'on avait faite à Ptolémaïs, il se prend près de Ptolémaïs, contre cette grande armée romaine orientale qui s'est faite complètement défoncer la gueule. Et là je compte attaquer une des forces à l'extérieur histoire d'attirer la garnison et tout le bordel. Et peut-être même piller après Ptolémaïs. Comme ça on aura une rentrée d'argent assez rapide, comme ça je vais pouvoir faire le bourg ici. Donc déjà je vais commencer à me concentrer sur le bourg et puis tous les petits trucs. Peut-être qu'au tour suivant je ferai le marché déjà pour commencer à avoir une rentrée d'argent ou le truc commercial. Ça a le même prix de toute façon, quasiment. C'est un peu moins cher le marché. Comme ça on a déjà une grande rentrée d'argent dans cette région et puis on va pouvoir développer tout le reste. Il faut aussi que je fasse gaffe à l'hygiène par rapport à ça, mais la recherche ici... je pense qu'au prochain tour j'aurai 2500, je crois que j'aurai assez, je vais rechercher ça. Comme ça on aura le bonus de plus 2 d'hygiène là, ça sera pas mal. Et ici pour l'instant je fais encore rien, là j'avais développé déjà des trucs. Peut-être il faut que je me concentre sur le sculpteur de bois pour les archers. Mais dès que j'en ai fini ici avec les romains, on va essayer de la jouer un peu relax avec les nouveaux voisins, les garamantes qui sont un peu énervés. Donc il faudra garder une force ici pour protéger ça. Et avec le reste on ira faire la petite trahison contre les africains, donc pour récupérer Constantia. Ce sera la prochaine étape. Et il me reste plus ou moins... il me reste combien de tours pour lever une flotte? 6. Je pense que dans 3 tours, je vais pouvoir commencer à lever une flotte. Au moins déjà un général. Et puis, peut-être 4 tours avant la fin, faire le port militaire. Mais non, c'est pas tellement nécessaire. Lever une flotte, je crois que c'est juste lever le général, au fait, d'une flotte. Et puis, il faudra pas oublier, je dois aussi capturer ici des territoires en Ibérie, mais ça, on fera plus tard. Et les Romains sont en train de se reconstituer un peu ici en Ibérie. Les Romains d'Occident, ils ont des forces encore assez puissantes là. Tandis que ceux d'Orient, eux par contre, ils sont défoncés. Ici tout va bien, j'espère que Godsingle va encore survivre un petit peu. Donc lui, je voulais peut-être l'adopter, ce gars-là. Mais il faut un mec qui dirige son armée. Chef de travaux implacable. Je pense que planificateur méticuleux, peut-être lui général. Et plus tard, je vais adopter celui-là. Pour qu'on ait encore des fils en dessous, parce qu'on n'a qu'un seul bonhomme. Mais ce qu'on va faire avant que le tour s'arrête, là maintenant, on va... j'avais essayé de faire un truc avec mon agent, mais ça n'a pas fonctionné. On va attaquer une de deux armées. Moi, personnellement, j'attaque d'abord celle-là, comme ça on se débarrasse déjà de cette cave qui... Je pense que c'est c'est le truc plus puissant qu'ils aient. Mais moi, je suis déjà encore un peu défoncé, mais ça devrait le faire. Voilà. Et ils ont la garnison qui attaque aussi. Ouais, elle attaque aussi, génial. Donc c'est une bataille, je suis pas obligé de la faire. Je pense pas que je vais la faire, surtout que l'épisode précédent on a déjà eu une belle bataille. J'espère juste que je vais pas perdre trop d'hommes. Donc je vais la jouer à peut-être protection, ça sert à rien, on va rester sur équilibré. J'espère juste que je vais pas perdre ma cave là maintenant, qu'ils ont pas fait les fifous avec. Parce que l'IA des fois elle fait de la merde en boîte. Ouh, ça va. Ça va. Ok, non, j'avais eu peur de perdre cette cavalerie germanique qui est très utile. Donc reconstitution. Voilà. Deux généraux romains sous terre. Et on a reconstitué nos hommes. Et maintenant, bah, Ptolémaïs, on va la piller directement si je peux le faire. Ouais, je peux le faire, je pense. Ptolémaïs, il n'y a plus de garnison, j'imagine. Il reste juste des bateaux, des machins. On a une baliste. Alors pillons le bordel, comme ça on va pouvoir développer. Alors je voulais capturer Ptolémaïs, je vais la capturer. Mais je veux d'abord la piller. Alors je sais que ça va foutre de la merde dans la région et blablabla. Mais je vais pas la capturer, la ville, avant peut-être 2 tours. Donc ça aura le temps de baisser un peu et puis... c'est surtout maintenant que j'ai besoin d'une grosse somme d'argent et je sais qu'après les maïs, ils sont pleins aux as. Et donc quand même, il y a... Ouais, ça va. Ça devrait le faire en automatique, en équilibré. Cette armée est en train de roxer sa mère pour l'instant, là. 46 hommes, ok, c'est très bien. Ouais, parce que si je la pille, ça fait l'instabilité de province, mais moins 15, c'est pas tellement grave. Par contre, on gagne 8000 pièces d'or, ce qui est assez conséquent, donc on va piller d'abord. Et on capturera la ville dans 2 tours, hein, je pense. Je crois que j'ai même le temps de rentrer chez moi et de me reconstituer un petit peu. Je pense que je vais même faire ça, tiens, comme ça, on est au moins, on est bon. Ouais, on va rentrer à la maison, hein, je pense. Faut juste faire gaffe de ne pas marcher dans le désert. On va carrément rentrer chez nous, quoi. Avez-vous d'autres ordres ? J'aurais pu même me placer là et piller un peu, mais je me reconstitue. Surtout qu'il a un bonus de reconstitution, donc vous voyez, dans 2 tours, on sera déjà bien.
Et là, on a récupéré des pèses. Alors en avant, ma petite guinguette. On va déjà faire le bourg, très important. Comme ça, il n'y aura plus ces malus de merde là d'insalubrité. Surtout si on veut développer le marché, c'est un peu. Voilà, il reste 6000. Alors qu'est-ce que je vais avec ces 6000? Ça sera trop cher. Il me faut un truc à 3000 ou quoi. Où je fais le marché? Où je fais ici le port commercial? Qui fait plus 2 insalubrité, moins 2 ordre public. Et là c'est moins 1 ordre public, moins plus 1 insalubrité. Ok, c'est moins cher. Ce serait plus intelligent de faire ça d'abord. La ferme j'attends encore. Et ici je voulais faire un truc d'hygiène. En sachant que quand je ferai ça, ça sera moins 1. Là actuel c'est 0. Donc ça sera à moins 1, mais je vais acheter la technologie après, donc ça va remonter. Et le marché va quand même être 4 tours, donc le temps que ça se fasse. Hein. Tout commercial, on attend encore. Alors ça, on attend encore les deux là. Ici, je sais même pas ce que je vais faire comme port. Je crois que je vais laisser un port normal pour l'instant. Hein. Quand je sais pas quoi faire, je laisse normal. Hein, parce qu'il n'y a pas de malus, rien. Et le puits aussi, on va le faire par la suite. Et là, c'est une ferme de réserve que je me garde. Ici, je pourrais peut-être faire la salle de réception, qui coûte un peu plus cher. Et plus tard, donc, je ferai la grande salle. Hein. Ça sera pour avoir les berserkers. Et il faudra que je trouve du bois aussi, parce que sinon, je pourrais jamais me développer. Et je ne sais pas où j'ai vu. Il y a une ville qui a du bois. Ah non, c'est dans Rome 2 que cette ville-là a du bois. Non, c'est pas ici. C'est Tingis qui a du bois, d'accord. Donc, il faudra absolument capturer Tingis. Mais c'est encore un peu chaud cette région-là. J'ai même pas vu ce qu'ils avaient à Ptolémaïs. Ah ouais, tout est détruit de toute façon. Bon, on va les laisser réparer et puis on capturera la ville quand ils auront tout réparé. Ça évitera de gaspiller du fric. Bon, alors 12 tours, c'est quand même énormément pour le bourg. Hein. Mais je vais quand même développer le marché. Voilà, on va faire le marché. Comme ça, on pourra recruter un espion. Mais ça nous sert à rien pour l'instant. Et après, je voulais faire un dépôt de commerce. Parce que c'est plus 1000 des bâtiments provenant des bâtiments de commerce. Et là, il y aura des bâtiments commerciaux ici qui vont se développer. Donc, est-ce que le marchand d'ambre... Ouais. Non, le plus... Ah non, c'est plus 2000. Ou le marchand... Ah non, le marchand d'ambre, il me faut des gemmes. Donc non, je ferai le dépôt de commerce. Et donc, on fait le marché. Donc, plus 1 insalubrité, moins 1 ordre public, c'est pas grave. Il y a du peste qui vont entrer. Et maintenant, on dépense plus rien. Tout simplement, parce qu'il faut que je garde quand même un peu. Ici, l'armée est bien. Elle est bien, cette armée-là. Celle-là se reconstitue. Et ici, j'aimerais quand même... Ah, j'ai une force déjà pas mal, là. Je vais essayer de fusionner. Et puis, il faut qu'on soit prêt pour Consensia. Mais c'est vrai que maintenant, les Garamandes me faisaient un peu la gueule, là. Et j'aimerais bien faire un pacte avec eux. Mais je pense pas qu'ils vont accepter tant que j'ai pas fait la guerre aux Africains. Et donc... hop là. Tant que j'ai pas fait la guerre aux Africains... Donc j'ai encore un peu d'argent, je pourrais encore développer. Oui, non, mais ça prend la nourriture. Et ça va... Plus 300 provenant de la culture, quand même. Et je sais que le maire de Carthage... C'est qui encore? Gouverneur de Tripolitaine d'Afrique. Je sais que lui, il a quand même déjà 51 ans. Il faudrait profiter de son bonus de mécène, là. Plus 40% provenant des bâtiments culturels. Il faut vraiment profiter de ce bonus... Y a rien de plus intéressant ici, non. Ça c'est plus moral territoire possédé. Il n'y a pas un truc un peu plus intéressant là. Morale, chance, blablabla. Coût de recrutement. C'est un coût d'entretien. Armée commandée. Je vais peut-être faire ça parce que quand on recrutera des hommes là. Donc lui il a un bonus donc de mécène. Le problème c'est que ça me coûte quand même 2700. Il me reste 4000. Salle de réception. Ah, allez, vas-y. De toute façon on a récupéré de la bouffe. Et ça met quand même 4 tours. Là, ça met 12 tours, c'est cher et c'est très long. C'est pas grave, hein, entre temps on capture Ptolémaïs, on se fait encore un peu de fric. L'agent il va rester ici, tiens, au cas où il y aura un agent Garamante qui déciderait de faire un peu le fifou. Sinon tout va bien ici, hein. Godsingel est très vieux. J'ai perdu un peu de pouvoir, de trucs. Je sais pas pourquoi. J'aurais préféré être respectable. Peut-être si je fais glace fine, je lui dis de rassembler du soutien. Choisis une soutien protéite qui renforcera votre contrôle de la situation politique. Elle a énormément de trucs, on va essayer de faire ça, tiens. Rassembler du soutien, histoire que ça remonte un peu quand même. Parce que j'aimerais que ce soit respectable.
Et sinon, diplomatiquement, on est bien avec tout le monde. Tiens, il y en a qui... Ah, les jettes. On vient de les découvrir. Bon, on fait du commerce. Du bois contre la teinture. Pourquoi tu veux pas? Peut-être qu'ils veulent d'abord faire des pactes. Ils sont plutôt pactes commerce. Ils sont pas... Bah, et si je leur offre un accès militaire? Non, même pas. Ah, peut-être au prochain tour, parce qu'on vient peut-être juste de les découvrir. Parce qu'on... Ah oui, ils sont alliés avec les Saxons et tout, on pourrait faire du commerce, mec. Contre du bois, en plus. Bon, on va passer le tour. On a combien, là? Génial. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire, là. Hein. J'ai pris une décision, ici. J'espère que ça va bien se passer. Donc, Ptolémaïs, sur la capture en deux tours, je pense, comme ça. Puis, on placera une armée, là. Faut pas que je m'étire trop vers l'est, quand même. Parce que quand on sera en guerre avec les Africains là-bas, il faudra avoir des renforts. Jusque-là, j'aurai une flotte aussi qui pourra soutenir. Une petite flotte. Mais j'ai vraiment pas envie d'entrer en guerre avec les Garamantes, quoi. Non. Il n'en est pas question. J'ai pas envie parce que ça me sert à rien, je veux pas ces territoires. Donc une guerre contre eux ne me servirait à rien du tout. Et eux, ils peuvent tranquillement aller vers l'Egypte, hein. Ça m'intéresse pas. Fin de fonction Gottsingel, donc on va retenir ça. Échange avec l'ennemi. Après avoir écorté le dos d'un marchand esclave, vous avez fait verser du vin dessus. La foule applaudit cette punition juste et râle et le temps est le coupable. C'est quoi encore Tripolis? Ah oui, c'était ce truc là. Ordre public plus 15, plus 5, pardon. Contrôle plus 6%, c'est bien. Équilibre des forces. Et on est de nouveau à respectable, c'est super. Par contre, ça fait un peu baisser Gottsingel ici, mais je pense que c'est parce qu'il a plus de trucs. Il est gouverneur de Tripolitaine. Alors, Tripolitaine, on a toujours de l'industrie et du commerce. Donc, je vais te placer... Influence, richesse provenant des bâtiments industriels. Coût de recrutement, bah, tu vas rester dans Ancien. Voilà. On a quand même de l'industrie dans la région. Ça redescend un peu l'ordre public, là. Je crois que c'est parce que je fais du bordel ici, du truc. Donc, c'est bien, on a une rentrée d'argent, on a quand même pas assez pour faire ça. Ça, ça ramène pas de l'ordre public, donc il faut faire gaffe. Et le marché non plus, donc il me faut un truc qui ramène de l'ordre. Public. Donc le centre-ville ici. Est-ce que je fais un centre. Ah, mais non, je voulais faire un truc d'hygiène ici. Il me faut absolument un truc d'hygiène. Parce que sinon, ça va péter. Alors, ce que je peux faire maintenant ce tour-ci, c'est acheter cette putain de technologie ici. J'étais en train de faire laquelle? Celle-là, bon, on la continuera après. Quoique, non, j'achète au prochain tour et j'ai un cours le temps. Ptolémaïs, alors je m'en fous. Ici, on se remet en mode normal parce qu'il faut pas déconner. Et puisqu'on en est en un tour, ben on va encore rester ici. Hein. Tour suivant, on ira la capturer, je pense. Gottsingel, à quel âge là? Presque 60. Ah ouais, il aura 62 ans là bientôt. Je crois que je vais garder mon argent, vous savez quoi. Cadre commercial plus 2 insalubrité, ça fera plus 3, ça fera plus 3 et l'ordre public va baisser. Non, il faut un truc qui monte un peu l'ordre là. On va pas faire tous ces trucs. Et ici le truc commercial, ça fait aussi un peu baisser l'ordre. C'est pas une très bonne idée. Donc il faut que j'attende 11 tours jusqu'à ce que ça finisse ce truc là. Et ça, par contre, ça fait pas de malus. Et ça rapporte plus 2 dans toute la région d'hygiène. On va attendre encore. Mais ici, à Carthage, je peux me faire des trucs. Sauf qu'ici, je suis en train de faire ça. Ça, peut-être pas, parce que c'est un peu... un embarcadère. Qu'est-ce que je voulais faire à Carthage? Je crois que je voulais faire un port de pêche. Ah, mais non, c'est un port militaire, ouais. Tiens, je pourrais faire le port militaire, là. Insalubrité plus 2, on est à combien? Hygiène publique totale, 5, putain. C'est quoi qui donne toute cette hygiène, là? C'est parce que j'ai encore rien fait. Ok, bah je peux faire le truc militaire. Ça fait pas d'ordre, de problème d'ordre public. Donc 4 tours. Il me reste combien de tours jusqu'à la mission là? Il me reste 5 tours. Donc j'aurai alors un tour pour faire le. Donc dès que le tour militaire est fini, donc 4 tours, je ferai la flotte. Donc, je sais pas si ce sera cet épisode-ci, mais on peut faire ça. Écoute, Robert,
On voit la sauce. Moi, ce qui m'énerve avec les embargadères militaires, c'est pour ça que je vais en faire qu'un seul, c'est que ça rapporte pas d'argent, quoi. Ça rapporte pas de fric. Où je fais ça? Sculpteur de bois, moins d'ordre public, mais on aura plus 350 richesses. Et on pourra faire les chasseurs qui me seront un peu utiles quand même. Même si j'en ai quand même pas mal. Il m'en faudra quand même pour attaquer les Africains qui sont pas si forts que ça. Hein. Ils ont qu'une seule grande armée. Franchement, j'ai peur. C'est plus de peur que de mal. Mais j'aimerais quand même bientôt les attaquer. Bon, vous savez quoi? On garde encore un peu l'argent. Et au prochain tour, il me restera 4. Donc 4 tours pour l'embarcadère. Mais je ferai. Combien ça coûte d'ailleurs de faire une flotte? On va voir ça tout de suite. Ah, le souci, c'est que j'ai personne maintenant. Planificateur méticuleux, lui, il peut peut-être faire. Un plus 2 intégrité, ça peut être bien pour la flotte. Et lui, il a quand même déjà 35 ans. Il pourrait être à Lingern, pourrait être un bon flotteur. Donc ça me coûterait 400 pour prendre. Ben, je crois que je vais déjà lever la flotte maintenant, quoi. De toute façon, le bonus que tu reçois n'est pas non plus super excitant. Et il faut que je trouve une thématique pour cet épisode. Donc on va... Thématique du levage de flotte. Le début de la flotte... Okay, en attendant encore un tour. Tour suivant, tout se décidera. Il faut que j'économise quand même encore un peu parce que je sais que cette région-ci n'est pas encore très stable, stable. Jusque-là, j'aurais capturé Ptolé. D'ailleurs, je vais regarder avec Ptolé Maïs. Ils réparent leur... Oh oui, merci. Ils réparent leur bâtiment. Parce que si c'est moi qui vais les réparer, ça va me coûter cher. Surtout qu'ils ont un putain de... Ah, c'est horrible, regardez, moins 600, quoi. Ça sert à rien, les trucs comme ça. On va passer le tour. Je sauvegarde vite fait. Je vais sur une vieille sauvegarde. Une vieille sauvegarde franc. C'est pas grave. Enfin, je le dis maintenant. Ouais, tout, familialement, tout bien. Lui, il a 9, mais je vais pas me faire chier maintenant avec lui. Pourrait marier une fille avec quelqu'un. Et moi, je voulais marier avec les Goths. Les Ostrogoths, pardon. Putain, vous avez pas un mariage à faire. Il me faudrait vraiment une faction comme ça qui tienne plus ou moins la route, qui pourrait me servir d'allié. Les Suèves sont trop faibles pour l'instant. Les Alamans. Vous nous honorez, il y a assez de nourriture. Non, 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 on verra ça, on verra ça. J'hésite à faire le port militaire, mais ça me coûte la peau du cul. J'attends au prochain tour. Allez. Là 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 là. Voilà, ce qui me fait mal avec le port militaire, c'est que ça rapporte pas de fric, quoi. Et moi, les bâtiments qui ne rapportent pas d'argent dans Total War, c'est toujours un peu de gâchis, je trouve. Même si on va pouvoir faire des flottes de malades, je pense que je vais carrément attendre quelques tours encore et faire juste le général pour accomplir la mission, quoi. Et puis pour avoir ce petit bonus qui n'est quand même pas rien. Donc c'est un bonus qui donnera de l'expérience à chaque unité recrutée. Vu que je recruterai pas grand monde pour l'instant, ça me sert pas à grand chose, mais bon. Je devrais recruter peut-être des hommes, ouais, pour attaquer les Africains. Et les Africains qui me disent non, parce que je vais vous déclarer la guerre à vous là bientôt. Et il faut vraiment que je me dépêche à leur déclarer la guerre, parce que les Garamantes... Naissance noble, on va voir ça tout de suite. Échec de la mission. Vainquer l'armée suivante, Légio 3, Augusta. Oui, mais je sais pas où elle est cette légion, mon vieux. Si elle est à l'autre bout du monde, c'est sûr que je peux pas la défoncer. Obstruction politique. Alors, Godsingle ne peut pas. J'aime bien. Moins 10 pour Godsingle, moins 15 pour Godsingle. Ouais, mais lequel? C'est lequel de Godsingle? Faveur politique, c'est moi qui perds, non? Ah, ben non, c'est lui, parce qu'il a assez. Bah oui, c'est lui. Bonne humeur. Morale pour 5% à Sabrata. Ah, écoute. Bon, c'est qui est né, là? Oh la vache, y'a trop de monde là. Fille, je regarde tout le monde. Fille, ah, c'est eux. Ah, c'est pas possible, elle aurait 0 ans. Tiens, ma fille est bientôt en âge. Ouais, c'est là, c'est une fille, ils ont encore une fille ici. Putain, décidément, il a pas de bol le mec, il a que des filles quoi. Putain, le gars. Ah, par contre, on va pouvoir faire des alliances. Hein. Mais limite, je sais même pas ce que je vais en faire de toutes ces filles. Alors, Ptolémaïs. Pourrait la piller sans relâche à chaque fois, mais bon. J'aimerais quand même la capturer. Et surtout qu'ils ont réparé l'embarcadère.
Et on peut regarder, ça rapporte du fric. Je vais peut-être l'attaquer là maintenant. Moins 3, ça baisse encore un peu. Ça, sous l'état d'ici, ça va pas arranger les choses. Bon, il me reste 4 tours pour cette mission de merde. Là, je réflexionne, je réfléchis. En tout cas, cette armée-là, je ne l'enlève pas tant que j'ai pas capturé plutôt les maïs. Et je la capture parce qu'il me faut absolument tout le golf ici. Sans avoir un truc solide, quoi. Et je pourrais l'attaquer maintenant. Ouais, ils ont du mal à reconstituer alors. Et j'aurais déjà l'embarcadère qui me rapporterait un peu d'argent. Et le reste, on détruit et tout. Le problème, c'est qu'il faudra laisser une armée à cet endroit pendant quelques tours. Je pense que c'est les loups du désert qui vont s'en occuper de ça. Et, ici, et cette armée-là, là, elle ira à l'ouest parce que je devrais renforcer celle de Godsingle. Et je pense que je vais l'envoyer capturer Consensia. Et puis Kazehare. Ça fera du truc à capturer. Hein. Combien d'argent ils ont obtenu les maïs? J'hésite à les capturer du coup, cette ville. Parce que je sais que Consensia va me rapporter du fric aussi. Ils ont récupéré un peu d'argent. Au prochain tour, je crois que... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Au prochain tour, j'irai à pied. Je reviens. Et puis on va attaquer Consensia d'abord. On pourra toujours retourner plus tard à Ptolemaïs. Cette armée va rester ici pour protéger. Ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est trop risqué d'aller vers l'est. Puisqu'on aura trop de territoire en un coup. Et je sais qu'à Consensia, on aura un pactole aussi quand même assez conséquent. Par contre, je peux faire déjà le sculpteur de bois ici, histoire d'avoir les archers. On va faire ça, le sculpteur, et on va lever l'armée tant attendue, la flotte. Parce que, why not, quoi, pourquoi pas le faire maintenant. Tant qu'on a le mec ici, chef des travaux, implacable, ou travaux, ça aussi. Lever une flotte, voilà, ça c'est fait. Alors, entraînement militaire, plus 1 expérience recrutement. Bon, je prends que lui maintenant pour l'instant, je le mets au port. Tout simplement parce que l'entretien il coûte quand même 280 pièces d'or ce mec. Hein. Donc c'est pas... Donc lui il est à 8 hein, parce qu'on vient juste de l'engager. Ok, on peut même pas encore le nommer compagnon. Donc, chef des travaux implacables, c'est bien. On va lui tout de suite mettre des bonus. Donc il n'y a pas des bonus naval. Donc on va... Expérience de l'unité recrutée, infanterie. Ça peut être bien. Ah non, c'est une infanterie, c'est pas... Ça sert à rien contre les bateaux. Portée déplacement en campagne, chance détection, ça peut être bien pour les bateaux. Ici, dégâts en mêlée, cavalerie, ça ne sert à rien. Ligne et chance, est-ce qu'il n'y a rien pour les trucs de chapeaux de chance, justice, morale de territorialier. Ligne de vue sur la campagne, distance, non, ça sert à rien. Chance détection de la, en campagne. Chance détection campagne, ligne de vue sur la campagne. Oh, allez, c'est bon pour les navires, ça aussi. Influence, taux de fatigue, bonus de charge, richesse provenant des bâtiments industriels, richesse provenant de l'immigration. Province gouvernée, province locale, provenant des bâtiments industriels. Ça peut être bien, ça, parce que comme ça, quand il sera dans un port, notamment celui à Sabrata, il fera monter un peu plus l'argent. Alors, on va avec la femme, avec elle, on va sécuriser la loyauté, comme ça. Ça lui sert à quelque chose, elle. Et voilà, bah on a levé la flotte, c'est génial. Ici, je pille un corps Ptolémaïs, et puis on ira renforcer l'armée des effroyables pour attaquer Consensia le plus vite possible. Là, j'essaie avec les... Ah, les Aranes aussi, on a les découverts. Bonjour. Corps commercial. Bande de petits cons, va. Putain, mais combien de temps il faut attendre jusqu'à ce qu'ils acceptent les accords? Les jettes. Nous devons parler, j'en suis sûr. Ah, voilà. Parfait. Les garamantes, c'est toujours nickel là, pour l'instant. J'aimerais quand même bien faire un putain de pacte. C'est bien, ça augmente un peu la trésorerie. Bon, qu'est-ce qu'il y avait encore comme bordel? Marine constituée. Les marées d'ambre. Alors, est-ce que c'est bien comme nom? Les marées d'ambre. Les marées d'ambre. Pop, pop, pop. Oh, c'est beau, mais c'est plus... Pas joli, joli non plus.
Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur faire un piaf. Bon, allez, un truc. Les marées d'ambre. Les flots noirs. Non, les marées noires. La marée noire. Les marées... Ambre, ça me plaît pas trop. Les marées... comment on appelle... les marées... Non, je sais pas comment je vais le faire. Les marées... La marée du Christ. Les marées... Christian. Vandalia. Je suis très nul pour trouver des noms comme ça. Les marées... Les marées... Inébranlables. Non, c'est pas ça. Les flots noirs. Non. Les marées, bon, on va laisser comme ça, hein, les marées. Les marées, on va trouver un nom. Proposez des trucs dans les commentaires, tiens, voilà, comme ça vous saurez quelque chose. Proposez des choses pour un nom ici. Les marées, ou les marées insoutenables, les marées... les marées noires, les marées jaunes, les marées... je t'emmerde. Essayez de trouver un nom pour cette flotte. Je vous mets au défi de trouver un nom. Mettez dans les commentaires, je vous laisse une semaine. Oh non, jusque là j'aurais déjà remis. Non mais faites... trouvez un nom. Démerdez-vous. Je vais rien construire. Je vais garder mon argent. Tiens, la technologie. Parce que là, dans un deux tours... Non, allez, on le fera au tour suivant. Tour suivant, on la fera. Et on va passer le tour là maintenant. Je pense que tout est dit. Et au prochain tour, je ferai la technologie. Donc maintenant, j'espère que Godsing... Putain, il est vieux quand même, Godsing, là. J'espère qu'il sera... qu'il pourra aller attaquer Constantia. Sinon, son fils le fait, hein. L'héritier va le faire. C'est pas grave. Donc, trouver un nom pour ma flotte. Et c'est la flotte qui, plus tard, ira piller toutes les villes du monde. Hein. Donc, choisissez un nom qui clash bien, parce que ça va être la flotte de l'amour. Hein. Ça sera la flotte du Christ. Tiens, les garamantes qui vont piller. Ah, les connards. Fin de fonction, bon. Congédéric, Indulf. Bloquer la promotion. Cet homme assoiffé de pouvoir, Indulf, s'est positionné pour entrer en fonction sans votre approbation. Bien qu'il puisse convertir au poste, pour vous laisser abuser. Plus pour Godsinger. Godsinger. Ne rien faire, je perds du contrôle si je fais rien. Nomination juge. Mais il peut se nominer lui-même s'il veut, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Mais non, je ne fais rien. Graisser la patte. Ouais, elle en a assez, pot de vin. Oh, on est retourné en équilibré. C'est pas possible, on avait gagné plus 8% et maintenant moins 4 et ça redescend là. Bon, ben elle va de nouveau faire du soutien. Hop, alors. Mais Indulf, il s'est nommé juge, c'est très bien. Or, plus poussin à position, c'est le gouverneur d'Afrique. Non, c'est très bien, je trouve qu'il fait ça bien, je veux dire. Alors, Congédéric. Ah, il n'a plus assez d'influence. Code single qui a 62 ans quand même. Putain, le vieux crouton, quoi. Ouais, les garamantes, là, vous êtes mignons, mais bon. Vous savez quoi, on va les piller tous les maïs, encore un dernier coup. Puis on ira se préparer à Constantia pour prendre Constantia. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moins 3, putain, pourquoi ça baisse comme ça ici? Bon, je vais prendre ça déjà. Hop, voilà. Un tour, parce qu'il faut quand même ce bonus de hygiène. Et là, j'ai plus trop d'argent. Pourquoi c'est moins 3 ici? Putain, 9 tours, ça va faire chier ça. Vous savez quoi? Je vais vite aller piller tous les maïs. Un petit quickie comme ça. Et puis on retourne. Alors, hop, équilibré. J'espère qu'ils ont renfloué un peu le coffre pour moi. Et puis on se casse vers vers l'ouest. 66, c'est très bien. 5000 pièces de roi, c'est convenable. En plus, on a gagné un rang. Alors, hop, on se met en mode cavale parce que il faut quand même qu'on se reconstitue en passant aussi un petit peu. Et on a gagné un petit rang de général. Donc là c'est déjà pas mal. Putain, il est bien lui, hein. J'ai Sénéric. C'est bien lui mon héritier, ouais. Putain, lui il clash. À
Ah, il fait pas les choses à moitié. Donc corruption moins 5%, intégrité plus 2, ça c'est bien ça. Province gouvernée, par contre, je m'en fous avec lui. Ça c'est commandant des flottes, on s'en fout aussi. Je crois que je vais faire chasseur, comme ça on augmente aussi ça. Et puis spoliateur, ça sert à rien, mais serre, autorité plus 2, taux de fatigue moins 20%. Capacité de recrutement de l'armée, défense en mêlée. Vitesse déplacement, bataille, cavalerie, putain. Commandant de la cavalerie. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ah, c'est l'amour. Par contre, putain, pour les armées, ça va, c'est très lent. Hein. Il m'a changé, remarqué. Alors, on va enlever l'agent, comme ça les garamantes, on voit qu'on n'a rien contre eux. On va direct l'envoyer là-haut, tiens. Comme ça, tu vas déjà aller tâter un peu le terrain, ma petite cocotte. Et là, on a quand même récupéré un peu de pèse. On va pouvoir faire des constructions, peut-être encore. Le truc commercial ici, ça a trop baissé l'ordre. Il faut que j'attende que le bourg soit terminé. Et le torf, ça n'augmente pas l'ordre public. Pourquoi donc? Pourquoi donc, ma vieille tata. Insalubrité plus 4. Plus 6% pour... Oh, putain, c'est l'amour des hommes, ça. Je pourrais convertir en... Mais non, je vais faire le truc d'hygiène. Bon, on fait rien ici, tant pis, il y aura une petite révolte. Alors, deux tours. Un tour, ok, bah, je peux encore faire un truc ici, hein. Truc commercial, truc militaire. J'ai la thune, je l'ai. Allez, on fait le truc militaire, comme ça au prochain tour, on commencera à développer la flotte du Christ. J'espère que vous êtes contents, les amis. Et je pense que du coup, dès qu'on aura capturé Constantia, on va passer à la troisième partie de cette campagne, c'est-à-dire... le pillage avec notre flotte et reconquérir Libérie. Donc c'est très bien, tout se déroule très bien. D'ailleurs il y avait un commentaire qui disait sur la vidéo précédente, mais ça se passe tout se passe bien pour toi. Je ne sais pas si c'était ironique ou si tu l'as vraiment pensé, mon ami, mais je te remercie beaucoup. Et oui, tout se passe très bien. J'ai eu de la chance, hein, mais en même temps je joue en normal, donc il y a moyen de moyenner quoi. Donc là je laisse pour cette région-ci. Je vais peut-être changer ici. Entretien, influence religieuse, c'est pas très important. Taux de recherche, plus 2, développement militaire. Coût de construction, moins 10%. Putain, j'aurais dû faire ça quand j'ai fait les bâtiments. Là, je suis un peu con, quand même. Entretien, entraînement moral. Non, on va laisser comme ça. Ça fait monter l'impôt. Surtout que j'ai un malus, maintenant, avec ce truc, ici. Hop là. Ok, bah, tout se passe bien. Je fais sauvegarder. Donc, lui, il peut pas. Ouais, ok. Chef tribal. C'est chez Sénéric, c'est mon héritier. C'est vrai, je l'avais nommé chef tribal. D'ailleurs, je pourrais même le nommer chef, seigneur de guerre. Influence, intégrité plus 2, expérience plus 1. Ça, c'est bien, seigneur de guerre, plus tard. Il a 36 ans, il est déjà tellement bien stuffé, ce mec. Alors, on va sauvegarder. Hop, une partie vandale, là. Et voilà, on va encore passer un tour. Et on se dirige tout doucement vers... on se dirige tout doucement vers Constantia. Et ici, je vais peut-être rajouter une unité de quelque chose, non? Histoire de bien renforcer quand même. Ah, il me faut absolument une cave ici dans cette région. Moins ordre public, mais il faut absolument que je fasse ça. Je vais le faire ça, comme ça je pourrais prendre des caves. Et on est bon. On est très bien. Ah oui, je vais essayer de faire un accord commercial avec les Aranais, là. Profitez des plaisirs de mon fou. Oh putain, mais plus la merde, les mecs. J'ai du commerce, moi, ici, mon dieu. Les jutes aussi, maintenant, putain, on découvre tout le monde. On est noble ami. Quel honneur. Ah, voilà, eux, ils savent quand il faut faire affaire, eux. Putain, mais d'où ils sortent tout à coup? Pourquoi je les découvre, maintenant? Alors, Indulf, civil, qui est gouverneur d'Afrique. Ouais. Donc déjà, chasse pour la bouffe, non? Attends une seconde, province gouvernée, moins 20% des constructions. Putain, la salope. Et on va faire peut-être... ouais, on va le faire ça, comme ça, ça donne un bonus de bouffe. Hein. Putain, maintenant je récupère tous les trucs de construction, alors que j'ai déjà commencé à construire mes bâtiments. Bon, ça sera pour le port militaire, tiens... Ah mais non, je l'ai déjà construit maintenant, du coup, merde. Putain, je peux même pas économiser du fric, quoi.
Ouais, l'Empire Sassanide, hein, eux ils se la pètent, hein. Je vais aller piller toute leur ville côtière là quand j'aurai ma flotte. Avec la flotte du Christ, ils vont avoir de toutes les couleurs, hein, les Aurassiens là, les Auriciens. C'est bien ça leur religion, je crois. Ouais, parce que l'islam n'existait pas encore, il me semble. En quelle année? Ah oui, j'avais déjà fait le calcul. Non, il n'existait pas encore. Ou était en train d'exister, en fait. On n'est pas loin, en fait. Mais c'était pas encore assez influent pour eux. C'était pas encore assez influent, quoi. C'était pas une religion. Comment dire, primordiale. Soutien politique, c'est bien, tu sers à quelque chose. Par contre, non, là, tu sers à rien. Soutien politique. Je me demande si je le fais avec elle. Bah, tiens, putain, t'as beaucoup d'influence, tu vas recommencer. Connasse. Alors, 7000 pièces d'or dans ton cul. Oh, putain, là, ça paye, là. Là, ça paye. Bah, par contre, si l'ordre public, ça paye pas, quoi. Donc on va courir, hein. On va Sabrata, hop, allez, on se dépêche. Ah bah oui, on a le marché maintenant. Ah, il coûte que 3000 trucs celui-là. Ah mais c'est trop tôt encore, je vais attendre que le bourg soit terminé, parce que là, l'ordre public, ça va faire mal aux fesses. Et le port commercial, ça fait aussi l'ordre public. Putain, hostie. Putain, mais les gens, ils sont jamais contents, quoi. C'est dingue. Alors, recherche, voilà, j'ai le bonus d'hygiène. Bon, maintenant, on finit ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire l'industrie. Parce que ça rigole pas. Et du coup, tout est rentré dans l'ordre au niveau de l'hygiène. Donc ça, je pense que les gens vont arrêter de faire la gueule un peu, quoi. Ici, je ne construis rien, vu que l'hygiène est bien, pour l'instant, je laisse ça. Alors, ici, je pourrais détruire ça. Non, j'attends encore un peu. Un tour, trois tours. Ici, je voulais faire quoi? La grande salle, là, oui, pour voir les berserkers. Les Berserkers et les Bretteurs Nobles Germaniques. Et je peux déjà le faire. La grande salle. Putain, mon filou. Quand j'aurai construit ça, je peux te dire que ça va moins rigoler. Hein. Les Berserkers. Oh la vache. Je sais pas qui va tomber dessus en premier, mais je prie pour leur âme. Lee Goldsingle, il a un cran fort, mais il a quand même 62 ans. S'il meurt pas quand on aura l'armée, que je vais donc développer, il attaquera Constantia. Et Constantia, on va directement la capturer. Donc tout va bien ici. Ça fait plus 4 insalubrités, et là on a une salubrité de 1. Non, tant que je n'ai pas développé trop plus l'hygiène dans la région. Ça fait quoi? Plus 2 d'hygiène pour toutes les régions. Donc plus 2, donc ça montera à 2. Et là ça prend 4. Ah merde. Il faudra quand même encore développer au moins au troisième niveau ce truc là. Ici je veux faire un truc d'hygiène, mais c'est pas de problème d'hygiène dans cette région, donc je laisse comme ça. Écoutez. Mais je me demande si ça sert vraiment à quelque chose, si je fais pas plutôt le centre-ville. Aucune idée. En tout cas ici, dès que j'ai de la cave dans la région, je développerai une petite armée ici. Parce que là j'ai des frondeurs, ils servent à rien. Je vais prendre ça. Hop, je prends ça. J'augmente l'armée ici. Ce sera le protecteur de Tripolitaine. Je vais voir si les Garamandes ne me font pas spécialement plus la gueule. Non, ça va. C'est avec qui que je voulais faire un accord commercial là? Avec les Zaran. Ils sont têtus comme des mulets, eux. Putain, les mecs. Peut-être parce qu'ils sont trop loin. Je sais pas. Oh, on gagne du fric, hein, je me plains pas. Je vais pas faire de construction parce que tout simplement. Ah si, je peux faire quelque chose. Je peux développer une des villes ici. 6000. Oh, au tour suivant, je ferai ça. Au tour suivant. Et du coup, ici, vu que. Ah ouais, tout coûte moins cher du coup ici. La petite cité. Parce qu'on va commencer à faire ça aussi. 3000. Le village. J'ai un village. Bon. Ma. Que je vais faire un truc commercial ici aussi, je sais pas. Enfin bref, on verra. D'ailleurs, je peux développer et je voulais faire un truc d'hygiène, il me semble, ici aussi. Mais c'est pas un souci pour l'instant, l'hygiène. Hein, donc on va attendre. Si on peut économiser. Bon, mais vous savez quoi, les amis? Je pense qu'on va passer encore un dernier tour. Et puis on va se quitter parce qu'on est quand même déjà au-dessus du temps presque.
Ouais. Au-dessus du temps. Donc on va passer un dernier tour. Dernier petit tour là. Et puis comme ça, cet épisode-ci, on aura quand même commencé à lever notre flotte. Et on aura bien développé nos régions. Donc voilà. C'est bien. Alors dès que j'aurai récupéré Constantia, il faudra que je remette une armée peut-être plus dans les terres ici. Ici quoi. Parce que... Ouais, parce que les guerres amantes, ça pue un peu pour l'instant. Enfin, dès que j'aurai déclaré la guerre aux Afriques, je pense qu'ils vont quand même moins me faire la gueule. Bah, par contre, là, ça se frappe bien dessus, là. Ah, ils ont défoncé les... Les Romains ont encore un truc solide, là, à l'ouest de Libérie. Les Gépides, putain, je sais pas ce qu'ils... Putain, ils ont une armée énorme. Caralis, qui est toujours Romain de Rome. Ouais. Ils se sont fait assiéger pendant 30 tours, mais ils sont encore là. Je sais pas comment ils ont fait. Peut-être que c'est Maxif qui dirige cette ville, je sais pas. Ah, le mec cheaté, quoi. Non, mais il joue bien. J'aimerais pas jouer contre lui, hein. Honnêtement, j'ai peur. Alors, ennemi haut placé. Plus 6 contrôle. Oui, Glusune a de l'influence, quoi qu'il en coûte. Voilà. C'est comme ça qu'on fait de la politique, motherfuckers. Alors. Alors. Bah déjà, ma petite cocotte, tu vas directement monter à Carthage. Parce qu'on a besoin de people, quoi. Hop, Carthage. On va constituer l'armée. Et au prochain tour, on ira. Au prochain épisode, on ira capturer Constantia. Putain, moins 13, mais c'est horrible cette région. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils. Oh, bah vous êtes cons là. Sortez de là. Ils sont mis dans les bateaux, c'est con. Alors, bah vous savez quoi? Tant que t'es en vie, God Single, pourquoi pas envoyer les effroyables? Par contre, t'as besoin. Hop. Donc je lui donne 2 unités de cave qui vont bien. Et une 3e unité de cave. Voilà, comme ça on aura de la cavalerie. Je lui donne encore 2 unités d'archer. Les 4 bien, les 3, on a des lanciers, on va lui donner ça. Et des sarmates et la baliste. Voilà. Godsinger. Les effroyables berserker reprennent du service, mesdames, messieurs. Par contre, lui, je sais pas pourquoi il est machin. Voilà, reste en dehors de truc, toi. Voilà, et cette armée-ci restera à Carthage. Donc les effroyables et le berserker, mes chers amis, ont repris du service. On va pouvoir aller vers Constantia avec cette armée de malades. Et moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de mettre des commentaires, mettez des likes, on a de la thune, putain, waouh. Mettez des likes, on a envie de cacher ça, parce que ça me donne envie de dépenser mon argent. Alors mettez des commentaires, mettez des likes, et abonnez-vous si vous le souhaitez. N'oubliez pas de regarder les vidéos de Total War Studio, je ne suis plus trop en contact avec eux. Et s'ils m'écoutent pour l'instant, je suis désolé les amis, mais... Je vais bientôt me reconnecter sur Skype, mais je suis pas mal occupé ces derniers temps. Donc ouais, parce que je parle pas beaucoup avec Solar Studio pour l'instant, et ça me fait un peu chier, parce que c'est quand même des super gars, et en plus ils mettent pas mal pour promouvoir ma chaîne, et je fais de même bien sûr. Donc une petite dédicace à eux, et puis aussi une dédicace à vous les viewers, parce que je vous aime bien, et grâce à vous, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Merci beaucoup encore, et à la prochaine, c'était Rich Ludius. Ooh, yeah.